Hélène, polythéisme ou monothéisme? C'est quoi ça? C'est un choix? Il faut choisir? Faut choisir, faut comprendre. Mais. Mais bon, nous vivons dans un univers occidental qui est monothéiste. Quoique on puisse se dire que ce monothéisme est peut-être polythéiste. Par exemple, dans la religion catholique, on est un peu polythéiste puisque on croit à la Trinité. Bon, donc, trace d'un ancien polythéisme. Non, je pense que ça, c'est affaire de religion. Le polythéisme quand il existe, donne à ses croyants peut-être moins de. Enfin, j'en sais rien, à vrai dire. Il est poétique. Je ne connais de polythéisme actif et important que celui de l'Inde, où on navigue entre des centaines de divinités qui sont tellement fantastiques que, bon, au fond, elles sont humaines, quoi. Je sais pas quoi dire là. Si c'est un choix, moi, ça, je peux pas choisir. Ça, je suis pas théiste. Penses-tu que le polythéisme est peut-être plus adapté à la richesse des hommes et à la diversité des hommes? Ou alors nous avons besoin d'un Je pouvoir pense que pyramidal? les êtres humains sont polythéistes. Et que, par exemple, le mono. Enfin, non, je ne devrais pas dire ça. Je pense qu'ils sont à la fois polythéistes et monothéistes. C'est-à-dire que chaque dieu est en soi, dans les polythéismes, chaque dieu est le dieu favori de tel ou tel. En Inde, certains sont des adeptes de Shiva, d'autres des adeptes de Vishnu. Enfin, chacun son dieu. Et voilà, chacun son culte. Donc on revient d'une certaine manière à un monothéisme parce qu'on assigne un privilège à telle ou telle divinité. Hein. Ou alors si on peut adorer Lakshmi parce qu'on adore la richesse, etc. Enfin bon, donc il y a du monothéisme dans le polythéisme. Et inversement, il y a du polythéisme dans le monothéisme parce que si on est dans un monothéisme où on va privilégier la figure paternelle, voilà. On se rattrape de temps à autre du côté de la figure maternelle, et puis ensuite, si on a des problèmes, ben on va vite chercher les saints, etc. Mais penses-tu que le fait qu'en Occident on ait eu des empires, des rois, et quelque part toujours un chef, nous a plus été rendu propice au monothéisme? Non, je pense pas. Je pense que il y a toujours des chefs, il y a toujours eu des chefs, il y en aura toujours, parce que c'est pour des raisons d'économie politique. C'est-à-dire que la multiplicité des chefs, et ça c'est Freud le montre dans Totem et Tabou, c'est-à-dire la multiplicité dans Totem et Tabou, qui est une fable. Hein. On raconte l'histoire d'une patriarchie, il y a un père et puis il y a des fils. Ces fils sont frères. Ces frères sont rivaux, et en particulier rivaux pour la succession du père. Ils vont tuer le père parce qu'ils veulent prendre le pouvoir, et à ce moment-là, ils se retrouvent avec justement une situation d'hostilité multipliée par le nombre de frères. Donc on se dit, ah non, il vaut mieux qu'il n'y en ait qu'un, donc il faudra bien rétablir la figure paternelle, etc., etc. Bon. Je pense que les gens fonctionnent comme ça. Il y a toujours une figure de chef qui se dégage parce que la gestion des intérêts communs a besoin d'être ordonnée. Et donc il y aura un chef de tribu qui peut être aussi une femme. Hein. Il y a quelqu'un qui va diriger. L'important, c'est évidemment que cette direction ne devienne pas, comme elle l'était avec les anciennes monarchies, héréditaire, arbitraire, totalitaire, etc. Mais que, comme c'est le cas dans la démocratie, la personne qui commande soit une personne amovible et qu'elle puisse être délogée, remplacée, etc., etc. C'est une longue
démarche que l'humanité a eue avant d'en arriver à ce résultat-là. Ben oui, mais tu sais, dans les tribus, c'était comme ça. Il y avait peut-être de l'hérédité, mais il y avait aussi des élections. On pouvait choisir le plus fort, ou bien... voilà. Il y avait des processus de succession qui n'étaient pas nécessairement autocratiques. Alors, mais de toute manière, il y a toujours du chef. Toujours. Il y a des chefs de troupe, des directeurs de théâtre, des... C'est pour des besoins pragmatiques, en fait. Oui, d'une certaine manière, mais c'est parce qu'il y a un capitaine de vaisseau. Il faut qu'il y ait une responsabilité qui soit assumée par une personne qui peut être plusieurs, hein, parce que les chefs peuvent être deux ou trois, ou bien... Bon. Mais il faut une direction unifiée, sinon on tire à Euadia et ça ne marche pas. Et alors d'un côté, voilà, j'ai envie de dire, le monothéisme représente ce côté besoin de chef, et le polythéisme peut-être représente cette richesse de l'inconscient. On disait, tu parlais de plusieurs, Mais comme je t'ai dit, moi je pense que l'un est dans l'autre. Hein. Donc le polythéisme, c'est une forme plus ancienne, mais qui allait vers le monothéisme. Le monothéisme n'est pas comme ça tombé du ciel. Non, il s'est dégagé d'un polythéisme qui, petit à petit, déjà dans les religions égyptiennes, ont commencé à aller vers le monothéisme. Akhenaton, hein, si je me trompe. Et quoi dire alors, par exemple, à plusieurs populations, surtout en Afrique, où ils sont d'un côté encore très animistes et en même temps très chrétiens ? Ben, je pense qu'ils sont dans la vérité de la religion. Voilà. C'est-à-dire que c'est les deux à la fois et ça correspond parfaitement à leurs besoins. Évidemment, les monothéistes n'aiment pas ça. Mais les animistes ont bien raison. Voilà. Donc, malgré tout, le fait qu'il y ait un menu dans toutes ces religions et dans toutes ces croyances permet de remplir plus de besoins. Mais bien sûr, il n'y a pas de raison de ne pas s'adresser à tous les saints. Quand on en a besoin. Pourquoi ? Ah, quand on en a besoin ? Parce que comme ça, au moins, on peut demander à chacun, tu vas écrire des lettres à tout le monde, voilà. On multiplie ses chances. C'est comme une pharmacie, en fait, au bout d'un moment. Oui, exactement, voilà. Exactement. Et si un choix devait s'imposer à l'humanité, à ton avis, lequel nous serait aujourd'hui le plus adapté ? Ben, j'y crois pas, ça, moi. Je peux pas te répondre. Parce que... On aura toujours... De toute façon, nous habitons des mondes parallèles, c'est-à-dire que nous avons des mondes superstitieux, comme ça, où nous avons besoin de croire à de l'incroyable, donc nous avons nous croyons à des miracles, aux religions, etc. etc. Et puis, parallèlement, il y a la science dont les aventures extraordinaires est absolument comme des sortes de contes de fées rationnels, et qui en même temps s'aventure aussi dans l'incroyable, mais dans un incroyable qui cherche à devenir, à passer au stade du croyable et de l'improbable au probable et au prouvé.